Après aussi, moi. Non, alors, on a reçu sur Internet. Vous connaissez Internet? Et on a reçu des insultes de mecs, genre, je suis vraiment pas content. Peut-être qu'ils parlaient pas comme ça, mais genre, comment ça fait en 2016 faire l'accent? Ils l'ont mal pris, quoi. Il y a certains Asiatiques qui l'ont, donc je vais arrêter de le faire, moi. Il a reçu des menaces. Ah bah tiens, un chinois, oui. En deuxième question, comment se nique ta race? Tu n'as pas de micro, là. Pas besoin de micro, le mec. Oh, bah, moi non plus, ma fille. Un seul pleureur. Il faut l'aider, parce que là, je vois qu'il est perdu. Un seul pleureur, je vois pas. Tu m'as perdu, mon Ramzi. C'est là. T'as fait old school. Oh là 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 là, mais c'est vieux. Au moins 2 ans, pour lui, c'est impossible, quoi. Pourquoi je m'en fous pas? Je n'en ai aucune idée. Mais c'était une banane, ce film, en plus. Ah, mais on a fait quelques-unes des bananes, je Non, on a fait les Dalton. Et encore les Dalton, avant 9 ans, c'est bien. Ouais. Jusqu'à 8 ans, tu peux le regarder. Moi, même la fille, c'est à la zappée. Ouais. Moi, mes enfants ont arrêté de me parler pendant un an. Ouais. Donc, on a essayé de faire des trucs mouilleux, quoi. Donc, celui-ci, d'ailleurs, on en est très fiers, pour le coup. Et on en est tellement fiers qu'on a décidé de faire une énorme tournée. On fait 118 villes. Alors qu'il n'y a que 60 villes en France. Ça qui est dingue. Et du coup, on va le montrer. C'est pour nous la meilleure manière de le promouvoir, quoi, parce qu'on espère que derrière vous allez en parler, plutôt que d'aller faire les cons sur les plateaux télé et de... Sur les plateaux penchés, mais c'était... Bah oui, c'est là, mais tu sais bien. Mais le plus important, c'est là, là. Mais voilà, quoi. Donc, une question, peut-être? Oui. 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 Alors, moi j'ai une compagnie de théâtre et j'hésite entre vous deux parce qu'il me manque un partenaire. Alors, est-ce que vous seriez capable... C'est Ramzi, je pense, moi, normalement. Mais Ramzi, en plus, alors, c'est incroyable parce que Ramzi est de Dijon, est originaire de Dijon. Bah voilà. Ma mère est de Dijon. Oui. Non, puis plus sérieusement, j'aimerais savoir si un jour vous avez joué une pièce de théâtre. Parce que je suis fan de théâtre. Maintenant, du théâtre, de faire du théâtre. Je peux vous écrire un truc? Ah non, nous on a plutôt écrit un enfant pour vous écrire. Non, mais tu vois, voilà, c'est ça notre théâtre à nous, et c'est bien le problème. C'est-à-dire que nous, les lettres classiques, on les a pas trop suivies et on s'écrit nos propres trucs et on va très vite vers le gogol. Mais je suis gogol. Tu es gogol aussi? Tu fais du théâtre gogol? Oui. Ah, ça, c'est intéressant. Eh ben, rejoins-nous en gogolie. Parce que nous, on cherche une gogole, on cherche une gogole avec nous. Oui. C'est moi. On trouve pas de fille gogole. Mais c'est moi. Et ben, nous, on a la camionnette derrière. On fait un test de gogole. Et après... Parce que c'est vraiment très joli, en tout cas. Merci, Jackie. Et merci, Michel. À vous, comme un cheval. Okay. Non, mais sérieusement, on a la camionnette... Eric, t'as dit quoi, le juge? Elle est majeure. Eh ben, elle est majeure. Non, mais majeure, il faut qu'elle soit concentrée. Ça ne suffit pas, majeur. Une question. Oui, toi, devant. Tu es consentante? Si. Tu es une femme ou un homme? Question, allez, vas-y, question. Attention, c'est une interview agressive. Est-ce que vous avez d'autres projets ensemble dans le futur? Elle a le projet de faire un bébé, pardon. Je suis super bien. Une question ou pas? On est désolé, c'était un petit gag, c'était pour faire rigoler.
deux projets. On a envie de remonter sur scène, on a envie de faire du théâtre avec la camionnette et tout ça. Donc, oui, attends, 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 question. Je vais voir ça. Très très joli. Je vois. Oui. Attends. Effectivement. Oui. Je te le confirme, Eric. Oui. Majeur. Ouais. Donc, un enfant qui n'était pas né pendant. Tu l'as vu là, ton parrain? C'est pas un enfant, j'ai 24 ans, moi. Tu l'as vu? Non. Dégage. Mais t'es tout seul au cinéma? T'es tout seul? Bah, Dijon, ils étaient. Non, il est où ton papa? Tu les regardes même pas, toi, tu... Ils sont là, c'est vous? Et pourquoi vous lui avez pas montré la tour Montparnasse? Vous aviez honte? Pourquoi vous lui avez pas montré? Il l'a vu. Ah, il l'a vu? Ah, il fait le malin! Comment tu l'appelles? Attends. C'est même pas son vrai nom. Il va être un malin, toi. Une question? Une autre question? Bonia, il est méchant producteur, nous dit. Ah bon? Bah attends, vas-y, on prend. Attends, ça fait deux secondes qu'on est là. On fait une dernière. Oui, vas-y. Une question gogole. C'est mi-insultant, mi... Le futur, il n'a pas dire. Got it. Et ben en fait, quand on a écrit la tour Montparnasse infernale, le premier, et ben c'était... C'était Dumb and Dumber, le film de Jim Carrey. C'était notre grand, c'était notre film de chevet. Il y en a qui ont des films comme Kubrick, tu vois, il y a des gens qui ont des grandes références. Nous, c'était les films de Jim Carrey. De Jim Carrey, on a rebondi à Ben Stiller. De Ben Stiller, on a rebondi à... Steve Carell. Et de Steve Carell, on est à Will Ferrell. Will Ferrell aujourd'hui. Ce sont nos grandes inspirations. Ricky Gervais aussi. Et voilà, quoi. On adore ce style de comédie. Burlesque. Burlesque est absurde. Pour les classes. Pour les classes. C'est pas pour les mots. Il y a des vannes comme ça dans le film. Hein. Donc si vous aimez pas, vous pouvez sortir immédiatement. C'est maintenant, quoi. Eh bien, très bien. Ben, on va vous laisser. Merci beaucoup de vous être déplacés en nombre. Et très bonne séance à vous tous. Merci beaucoup.